Bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'atelier, un job de protection carrosserie sur une Alpine. Donc, film de protection solaire thermo-cicatrisant, transparent. La marque, c'est Bodyfence. Donc, Bodyfence, c'est un produit de chez Exis. Donc, j'ai déjà posé le capot. Donc, il existe différents kits prédécoupés au modèle de chaque véhicule. Certains sont prévus en coupe bord à bord, d'autres sont prévus avec un retour derrière les éléments. Donc en attendant que le capot termine de sécher afin de pouvoir éliminer les derniers tubes plis que vous voyez en périphérie, je vais attaquer l'aile du véhicule. Donc le gabarit est ici. Et je vais attaquer ça. Cette trace dessus. J'essaie de disposer au mieux le film. Alors, certains repèrent même le trou du répétiteur de film étanche, la découpe de la trappe à essence. Ensuite, donc on devrait commencer par l'arrière. Ensuite, je commence par fixer un angle de départ.
Ensuite, le but est de développer la pose en essayant de créer certaines tensions qui vont me permettre de répartir ces plis et de les annuler. Parce que si on s'approche, on s'aperçoit que le film est trop court. On voit? Oui, on voit. Alors qu'au départ, je suis vraiment dans l'angle. Donc une fois que je vais, je sais pas si on aperçoit, mais voilà, une fois que je vais tirer le film, on va pouvoir l'approcher de son endroit, de sa position définitive. Ça, il faut que la solution soit assez grasse pour que ça glisse, mais pas trop pour que ça colle. Donc c'est très très délicat. D'ailleurs, on va remettre un peu de gras là-dessous. Je dis un peu de grasse et de l'eau savonneuse. Façon et la progression a vraiment une importance parce qu'elle permet de voilà, petit à petit de fixer le film là où je m'arrouvre et ensuite de créer des tensions dans les directions qui vont me permettre précisément d'annuler les plis dont je vous parlais. Là, il faudrait que je fixe ici. Soit ça se soit fixé et qu'ensuite je redescende par ici. Donc voilà le principe de base. Donc je vais continuer d'avancer. Je vous retrouve une fois que j'ai positionné l'ensemble. Nous revoilà sur l'aile. Donc j'ai passé un moment à maroufler, à tirer, à mouiller. Donc la première étape est faite.
Donc, comme sur le capot tout à l'heure, on s'aperçoit qu'il reste quelques tubes, quelques plis, comme vous voulez. Donc voilà, le film arrive vraiment à fleur. Je ne sais pas si on voit bien. Peut-être comme ça. Ouais, bah là, il y a la bulle, donc on voit. Pareil, les tubes ici. Le trou qui était prévu pour le répétiteur de clignotant, celui pour la trappe à essence que j'ai pas encore découpé. Ben voilà, je vais vous montrer par exemple sur le capot. Donc tous ces tubes, une fois qu'ils sont secs, il va me suffire. Voilà, de venir les éliminer. Il n'est pas encore tout à fait sec. Voilà, celui-ci est sec. Donc voilà. Je vais continuer avec l'aile avant gauche. Et enfin, le gros morceau, le pare-choc. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À tout à l'heure. Nous revoilà. Pour terminer le travail, enfin terminer la vidéo, vous montrer simplement la dernière étape de pose. Donc une fois que tout est sec, je vais pouvoir faire mon retour. Et par sécurité, je vais chauffer avec un décapeur thermique de manière à vraiment enlever toutes les dernières traces d'humidité qui peuvent être logées derrière. Alors, je vais poser le téléphone à cet endroit-là. Bon voilà, je pense que vous avez compris le principe. Je souhaite que ça vous ait apporté quelques informations sur mon travail. Et je vous souhaite de nouveau une bonne fin de journée. À la prochaine vidéo. Ciao!